Père, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais qu'on passe d'abord cette vidéo que j'ai contactée pour ce moment. Et après cela, nous allons donc continuer dans la parole du Seigneur. Thank you.
Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, mon message de ce matin s'intitule « Le bon Samaritain ». Et j'aimerais que nous lisions donc dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 25. Chapitre 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. J'ai dit bien propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, le donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lesquels de ces trois te semblent avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va. » Et toi, fais de même. Éprouver. J'ai essayé de comprendre ce que veut dire le verbe éprouver. Et il est dit dans le dictionnaire que c'est tester quelqu'un pour vérifier sa valeur en qualité intellectuelle ou morale. Et il est vrai que quand nous lisons l'histoire du Samaritain, c'est un exemple que nous, enfants de Dieu, nous voulons suivre et considérons même comme un commandement. Car le conseil du Seigneur au docteur de la loi était « Fais cela et tu vivras. » La question était « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» La réponse est de faire cela et tu vivras. Donc ma réflexion était la suivante. La vie éternelle commence-t-elle par l'amour inconditionnel du prochain ? Et la réponse et oui, car aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, est déjà la base du salut. Car tu commences, je dirais, à entrer dans la dimension de l'amour inconditionnel que Christ a pour toi et du salut manifesté sur la croix. J'ai dit volontairement que l'on commence à entrer dans cette dimension de Dieu parce qu'il y a manifestement le second, commandement qui suit le premier, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est vrai qu'en lisant ce texte, nous, enfants de Dieu, nous avons plutôt tendance à nous reconnaître en ce bon Samaritain qui, depuis 2000 ans, est loué pour son attitude débonnaire, c'est-à-dire d'une beauté, d'une montée extrême, humaine, spirituelle, attentionnée et remplie de la plus douce des compassions. Par contre, nous avons du mal à nous identifier, moins et peut-être même pas du tout au sacrificateur ou bien encore au lévite. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que l'homme que je suis, l'homme qu'on est, la femme que vous êtes, la femme que nous sommes,
On change de comportement au fur et à mesure que notre humeur change. Et aussi, selon notre position, ou même, je dirais, le titre que l'on peut avoir, et selon aussi l'activité. Le chrétien que nous sommes, chers frères et sœurs, peuvent devenir tour à tour le sacrificateur ou prêtre, selon les traductions, ce lévite ou cet homme très bon. S'il t'arrive parfois, comme ce sacrificateur, de passer ton chemin, c'est souvent parce que peut-être que toi aussi tu marches vers ta Jérusalem, que tu marches vers ton temple, c'est-à-dire, entre parenthèses, tes priorités. Tu es en chemin vers ton église, ta famille ou ton entreprise, et là tu es confronté à de nombreux problèmes. Tes programmes, tes réunions, ton budget qui est déjà bouclé. Sauf que malheureusement et en même temps, des hommes et des femmes ont été criblés de coups, dépassés par leurs souffrances, ou pire encore, ensanglantés par les blessures de la vie. Ainsi, quand les enfants de Dieu croisent une personne souffrante, ils passent souvent outre. Or, le Seigneur entend la part de cette race royale, parce que nous sommes une race royale, chers frères et sœurs. Oui ou non? Le Seigneur entend la part de cette race royale très occupée, même très préoccupée par elle-même, qu'elle n'a pas le temps de consacrer, pas d'argent à donner, ni de dîme disponible, pas de compétences, et bien évidemment qui se sert du prétexte que nul ne peut changer toute la misère du monde. Vous l'avez déjà entendu ça? À chaque fois, les politiciens, au vu de ce qui se passe parmi ces immigrés qui viennent, vous savez, on ne peut pas s'occuper de toute la misère du monde. Et à mon travail, j'entends des vertes et des pas mûres. Sauf que si le Seigneur a choisi de citer ces trois personnes, c'est qu'enfin que nous puissions en apprendre sur nous-mêmes. Et l'objectif des paroles, des paraboles que le Seigneur donne le plus souvent, c'est de nous enseigner. Et ce matin, je voudrais juste développer avec vous certains aspects de ce fameux passage qui, selon moi, reflète ce que nous sommes. Il a d'abord parlé du sacrificateur. Or, il se trouve que quand nous lisons dans la Bible, le rôle de celui-ci, il est une personne entièrement consacré au service de l'Éternel. Et cela fut le cas de la tribu de Lévi en Israël. Sa mission était d'offrir au Seigneur des sacrifices d'une bonne odeur qui lui sont agréables. Il se trouve que le Seigneur, en s'adressant à son peuple à la sortie de l'Égypte, juste à la sortie de l'Égypte, il est dit, « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Or, il se trouve, chers frères et sœurs, que l'apôtre Pierre nous le dit, vous êtes une race, un sacerdoce, une nation, un peuple, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et l'apôtre Jean de dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et dans le livre d'Hébreux, au chapitre 8, il est dit que tout souverain sacrificateur est donc établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité d'avoir à présenter quelque chose. Et il est dit que par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, ainsi que la bienfaisance de la libéralité, car c'est à des tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous sommes des sacrificateurs.
Nous sommes des sacrificateurs. Oui ou non? Vous l'avez lu comme moi. Que nous avons été choisis pour être des sacrificateurs pour Dieu le Père. Avant, ça a été une famille clé qui a été choisie. Mais aujourd'hui, cet honneur est donné à tous ceux qui viennent au Seigneur. Et maintenant, je vais essayer de voir avec vous les Lévites. Les Lévites étaient les descendants de Lévi. Et vous savez qui était Lévi? Un des fils, donc, de Jacob, de sa première épouse. On disait qu'elle avait les yeux fragiles. En fin de compte, c'est parce qu'elle louchait. Et lui, il avait du mal à voir cette beauté, vu que les yeux louchaient, il préférait regarder l'autre sœur qui, elle, avait les yeux complètement à la place. Ce qui signifie, le Lévi veut dire attachement, joint. Donc pendant la marche dans le désert, ils ont été choisis par Dieu pour le service du sanctuaire. Ils ont été donnés à Aaron et aux sacrificateurs en don pour l'Éternel pour faire le service de la tente de la rencontre. Et cette référence, nous le trouvons dans le livre de Nombres. Aujourd'hui, on peut dire que les Lévites sont une figure des serviteurs de leurs dons et de leurs fonctions, ainsi que le Seigneur le donne à l'Assemblée, à la maison spirituelle actuelle de Dieu. Lorsque le Seigneur parle du cep et du sarment, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, restez attachés. Il nous exhorte à rester attachés parce que c'est en ce moment-là que nous pouvons porter du fruit si nous restons attachés. Et dans les Actes des apôtres, alors que le bruit courait qu'il y avait des inconvertis, des Grecs qui venaient de se donner au Seigneur et que le Seigneur faisait des choses miraculeuses parmi ce peuple, ils ont envoyé donc un apôtre Barnabas pour aller voir ce qui se passait. Et quand Barnabas est arrivé, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des personnes, des Grecs qui se convertissaient. Il a été réjoui. Et voilà le conseil qu'il leur a donné. Il leur dit, exhorta, pardon, tout à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Et Paul le dit aux Corinthiens, de s'attacher au Seigneur sans tiraillement ou sans partage. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, même si tous les rachetés sont appelés au service, il est dit que tous ont des tâches différentes dans plusieurs fonctions. Le Seigneur distribue les dons pour le service selon sa sagesse. Et cela, nous le retrouvons dans Romains 12. En effet, il est dit que comme nous avons plusieurs membres dans un corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, nous allons le lire, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 12, Romains chapitre 12, versets 4 et 8, je ne sais pas si je peux d'ici faire avancer. Ah ben voilà. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous sommes tous membres les uns les autres. Et comme je viens de le lire, le sacrificateur et le lévite nous représentent tous. Que ce soit un leader spirituel, que ce soit le pasteur, que ce soit le prédicateur, que ce soit un ancien, que ce soit un diacre, que ce soit un responsable d'activité ou un membre de l'Église, il nous représente. Chacun de nous doit être ébranlé intérieurement.
Le sacrificateur et le Lévite passèrent outre. Pourquoi nous passons outre quand nous croisons les gens blessés? Pourquoi quelquefois nous passons notre chemin? J'ai appelé cette partie sous couvert de la loi. Comme vous l'avez vu et remarqué, le docteur de la loi, après avoir bien répondu à Jésus, lui posa cette question, voulant se justifier. Combien de fois on n'a pas cherché à se justifier quand on est devant des problèmes? À votre avis, est-ce qu'il ne savait pas réellement qui était son prochain? Parce que dans sa tête, le prochain, pour lui, c'était un juif comme lui, parce que les Samaritains étaient considérés comme des impurs. Et tous les autres peuples d'ailleurs. Les goïms, comme ils disent. Lui, docteur de la loi, croyait qu'il ne savait pas. Bien sûr que nous le savons tous, mais nous trouverons toujours des moyens pour nous justifier sous couvert de la loi. Tout à l'heure, le pasteur a cité un verset que j'avais aussi en tête. Il a dit que le Seigneur a choisi 70 disciples et il les a tous envoyés. Et remarquez ce qu'il a dit aux disciples. Partout où vous irez, vous allez manger ce qu'on va vous donner. Vous allez boire ce que l'on va vous donner. Et s'il y a des malades, guérissez-les. Et à leur retour, ils ont dit, mais purée, mais il y a des choses incroyables qui se sont passées. Et c'est là que le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas de tout cela, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand ils vont quelque part, qu'on leur présente à manger, c'est du halal, c'est du cachère, il n'y a pas de cochon dedans, il n'y a pas de sang. Et puis bon, moi, l'alcool, j'en bois pas. Sous couvert de la loi. On trouve toujours des préceptes. Quelqu'un vous fait à manger, vous êtes en train de lui demander, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Or, la parole de Dieu nous dit que lorsque vous allez, mangez ce qu'on va vous donner. Comment ça se voit aujourd'hui qu'on croit que c'est par les aliments qu'on peut s'approcher du Seigneur? Et l'apôtre Paul a bien précisé, vous aurez beau aller dans un endroit, manger quelque chose d'extraordinaire, mais vous irez dans un autre endroit pour le redéposer. Ça vous fait rire. Et cet endroit, qu'on soit roi ou même le dernier des pauvres, on y passe tous. Dans l'Ancien Testament, il est dit que le sacrificateur ne devait pas toucher un corps mort. Parce que si jamais il touchait un corps mort, il était donc impur pendant 7 jours. Et s'il ne faisait pas la purification comme il se doit, il risque d'être retranché du pays ou du peuple d'Israël. Alors on pourrait croire que ils étaient dans leur droit de ne pas aider ce pauvre homme de peur d'être impur. Nous avons tendance à nous justifier ainsi. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Je n'ai pas le temps. Et puis, je suis fatigué. J'ai une famille, moi aussi. Et puis, bon, je n'ai pas les compétences. Hein. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Et puis, peut-être, c'est un comédien. Qu'est-ce qu'il dit qu'il souffre réellement? Peut-être que si je viens en aide, ça ne serait pas une bonne chose. Et puis celui-ci, si je lui donne encore de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller encore s'acheter de l'alcool. Ce n'est pas une bonne chose. Mais on trouve toujours des prétextes. Alors que dans l'épître de Jean au chapitre, au premier épître au chapitre 3, il dit, celui, si quelqu'un possède des biens de ce monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Et Jacques de dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise, parce que ça arrive souvent, hein, oui mon frère je te comprends mais je vais prier pour toi. Oui ma sœur je comprends ta peine mais je vais prier pour toi.
Allez rendre l'évangile, parler de l'évangile à quelqu'un qui a le ventre creux. Mais il ne va pas vous écouter. C'est logique. Ce qu'il a besoin d'abord, c'est de la nourriture. Et une fois qu'il est rassasié, il pourra maintenant t'écouter. Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Et au sujet du jeûne, dans l'Ésaïe 58, qu'est-ce qu'il est dit? Le jeûne que le Seigneur aime, il est dit, détache les chaînes de la méchanceté. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te doute pas de ton semblable. Il dit, voilà le jeûne à lequel je prends plaisir. Et maintenant, nous arrivons au Samaritain. Qu'est-ce qui le caractérise? Le verset 33 nous dit, mais un Samaritain qui voit Yahjé, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il est dit d'abord qu'il fut ému de compassion. Que veut dire être ému de compassion? Ben, j'ai cherché. Sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances, supporter les fautes et les faiblesses de son prochain avec indulgence. Ça fait beaucoup. Être ému de compassion. Et comme le Seigneur était souvent ému de compassion, on s'est dit, bon, le Samaritain représente le Seigneur. Il s'approcha. Nous avons tendance à regarder de loin les misères des autres, à les entendre gémir. Mais là, il s'est approché parce qu'il a entendu gémir. Il s'est approché. Et il banda ses plaies. Il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Je dois vous rappeler bien ce que dit la parabole. Du sacrificateur, il est dit qu'il descendait par le même chemin. Du Lévite, il est dit qu'il arriva dans le même lieu. Mais du Samaritain, il est dit que lui, il voyageait. Quand on voyage, chers frères et sœurs, on prépare tout. Il faut voir si les vaccins sont bons, si on a le visa, si le passeport est à jour. On prépare son linge, le nombre de jours qu'on va faire là-bas, qu'est-ce qu'on va prendre, ainsi de suite. Les médicaments, que voilà, on prépare tout, on est prêt. Et s'il a de l'huile et du vin sur lui, c'est parce qu'il voyageait et que ces choses-là faisaient partie de ce qu'il devait porter sur lui. Il avait aussi de l'argent. Hein. Que nous dit la parole à notre sujet? La parole de Dieu dit que nous sommes étrangers, résidents temporaires ou exilés ou voyageurs, selon les versions, sur cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Oui ou non? Et lorsque Jésus priait pour nous, il a dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde. Non, loin de là. Je te demande juste de les préserver. Et en envoyant ses disciples, il leur a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Il y en a d'autres qui disent, oh, moi je ne fais pas partie du monde. Non, je suis sauvé pour servir le Seigneur, donc ils vont s'enfermer dans des monastères, ils ne font pas partie du monde. Et il faut que nous soyons toujours prêts pour le jour de son avènement, car il est dit qu'il viendra comme un voleur. Et dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 42, il a dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour notre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure
où vous n'y penserez pas. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour notre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il est dit que le Samaritain s'approcha. Et en regardant la définition de ce verbe, il est mentionné venir, s'avancer et au sens figuré, avoir de la ressemblance avec ou être similaire. Christ s'étant approché de nous, il a vu notre misère et il s'est identifié à nous afin de nous racheter. On a souvent comparé le Samaritain, c'est ce que je dis à notre Seigneur, car son amour lui ressemble. Mais ce Samaritain est au travers de nous. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul déclare que si Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Oui ou non ? Christ en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, je dois avoir le même comportement, le même amour et la même ressemblance que notre Seigneur. Quelquefois, on n'a même pas besoin de dire, mais celui-là, qui pour qui il se prend ? Rien que par le fait de rendre un témoignage digne de la parole du Seigneur, rien qu'en voyant ce que nous faisons, on a un témoignage. En disant, cette personne-là, ça ne peut être qu'un enfant de Dieu. Et cela glorifie le Seigneur. Il banda ses plaies. Sur la route que nous empruntons tous les jours, et de cette vidéo que vous avez vue, il y a des blessés et des blessures diverses. Les blessures peuvent être morales, psychiques, physiques. Et la solitude aussi est une blessure. Combien de fois les dimanches on se réunit, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, au revoir mon frère, au revoir ma sœur. On ne sait même pas comment vit notre frère et notre sœur dans la semaine. Je me rappelle avant, tous les dimanches après-midi, on n'avait même pas le temps de rentrer chez nous. On était tout le temps invités. Et on invitait aussi. Et on passait des moments ensemble. Aujourd'hui, c'est caduc. Le chrétien est devenu égoïste en lui-même. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que le Seigneur te bénisse, basta, au revoir. Et la semaine est finie. Il est vrai que quand nous venons ici, chers frères, nous venons apporter un culte au Seigneur. Mais nous venons dans un assemblement d'enfants de Dieu où le Père est là. Nous sommes en famille. Et dans les Actes des Apôtres, on dit qu'ils étaient tout ensemble, ils se partageaient tellement de choses que tout le monde voyait ça et ça attirait du monde. Est-ce notre cas aujourd'hui? Il est dit qu'il a mis du vin. Et il est dit aussi que la parole de Dieu nous dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Et même qu'il réjouit aussi celui de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Hein? À celui qui vient pour dire, j'en ai déjà plusieurs fois entendu, hein? Ouais, buvez pas d'alcool, soyez remplis de l'esprit, patati et patata. Bon, j'ai simplement répondu que si c'est une conviction pour toi, elle reste pour toi. Mais que cela ne devienne pas une doctrine. C'est très dangereux. Et il est dit que l'huile aussi fait resplendir son visage. Dans Proverbe 21:20, il est dit « De précieux trésors de l'huile sont dans la demeure du sage. » Et puis dans les livres de Juges, pendant que les arbres cherchaient un roi, ils sont allés voir donc la vigne, et ils ont dit à la vigne, viens régner sur nous. Et la vigne a dit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Donc le vin même réjouit Dieu.
N'allez pas me dire que Dieu est un soulard. Je retire ce que j'ai dit. Il le mit sur sa propre monture. Il n'a pas attendu que quelqu'un passe avec une monture. Il n'est pas allé en ville pour louer une monture. En faisant cela, il se privait. Il se privait lui-même parce qu'il ne sait pas s'il avait des chaussures pour la marche puisqu'il avait une monture. Et c'est là-dessus qu'il voyageait. Donc, il a mis cette personne sur sa propre monture et il est obligé de marcher à pied. Il a peut-être les pierres qui lui ont fait mal. Le chemin était peut-être rocailleux. Mais c'était la personne sur sa monture qui l'intéressait. Lui, il s'est oublié. De même que le Seigneur s'est oublié, puisque c'est pour nous qu'il a subi tous ces sacrifices. Il le conduisit dans une hôtellerie que je peux présumer que ça peut être aussi l'Église. Parce que tous ceux qui viennent à l'Église ne sont pas des saints, sinon ils ne viendront pas. On a tous besoin de sainteté quand nous venons ici. Donc nous sommes là parce que nous sommes des impurs que le Seigneur a choisi et accepté qu'on vienne dans sa présence. Alors quand j'ai entendu, une fois il y a une sœur qui arrive et qui dit au pasteur, pas Guillaume, hein, ça remonte, je sens qu'il n'y a pas d'amour dans cette église où j'ai été. Alors, le pasteur de répondre, mais le jour où vous allez rentrer dans une église où il y a plein d'amour, vous vous sentirez mal à l'aise. Parce que l'amour commence par soi. Et le monde dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu veux avoir de l'amour, donne. On peut dire, et quelquefois je suis ébahi devant des prières, quand j'entends des personnes dire « Seigneur, je t'aime », honnêtement, moi j'ai du mal. Je vous l'avoue, j'ai du mal. Mais je voudrais d'abord apprendre à aimer ceux qui sont autour de moi. Et c'est cela qui fera comprendre au Seigneur que je l'aime. Il est dit que si vous vous aimez les uns les autres, c'est là que l'on saura que vous êtes mes disciples. Quand on rend témoignage que nous invitons des hommes et des femmes dans ce lieu, dans cette hôtellerie, c'est comme dans un hôpital. Et nous avons, dans un hôpital, il y a plusieurs fonctions. Et c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Celui qui a donné les uns comme apôtres, hein, nous allons lire donc Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans le moyen de sédition, mais qui, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même. Comment ? Dans l'amour, dans la charité. Et je précise bien que c'est pour l'édification de l'Église. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est un prophète, le prophète il m'a dit telle chose, mais qui n'a rien à voir avec l'édification de l'Église. Je suis désolé, je rejette cela. Il est pris soin de lui. Et la responsabilité de l'Église est donc de prendre soin des uns des autres. Et chacun a son rôle pour la beauté de l'Église. Jésus a dit,
Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Le Samaritain a dit en partant qu'il reviendra. Ben, qu'est-ce qu'il dit qu'il allait revenir? Il dit, occupe-toi de lui. Il a donné deux deniers. Deux deniers qui, pour moi, j'essaye de représenter ça comme l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a donné deux deniers. Il a dit, tu en prends soin. Et tout ce que tu auras dépensé en plus, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement d'enseigner la parole, et de nous occuper, mais de rajouter l'amour au-delà de la parole que nous enseignons. Il remue deux deniers qui illustrent pour moi, c'est ce que je viens de dire, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a aussi dit qu'il reviendra pour voir l'état de son blessé. Jésus reviendra dans l'espoir de trouver son église belle, sans tache ni ride. Et ce que nous dépenserons en plus, à savoir notre énergie, notre dévouement pour les âmes et notre amour, il ne nous le rendra. Et je voulais qu'on finisse avec ce dernier verset, Philippiens chapitre 2, verset 5. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue par laquelle vous brillez comme des flambeaux. Je crois que je me suis trompé dans ce que j'ai noté. Ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est qu'il est dit que nous ayons tous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Hein? J'ai mal noté la référence. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. 5. 2, 5. Ah oui, moi j'ai dit 2, 15. Ah oui, 2, 5. Ouais, ouais, ouais. C'est elle qui a mal noté. J'ai bien marqué 2, 5. Est-ce que vous pouvez me trouver ça, le 2, 5, s'il vous plaît? L'image donc du Samaritain doit être notre comportement d'excellence ou par excellence. Et comme disait un vieux que j'apprécie beaucoup, il disait que dans cette image, il y a trois philosophies. Ce qui est à moi est à moi. C'est ce que dirait le sacrificateur. Je ne te le donnerai pas. Le Lévite, ce qui est à moi n'est pas à toi. Je ne te le donnerai pas. Et le Samaritain, ce qui est à moi est à toi et je te le donne. Que le nom du Seigneur soit béni. Ayez en vous les sentiments qui étant Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal avec Dieu. La suite. Verset 6. Bon, j'aurais vite fait de prendre ça dans mon... Bon, c'est vrai que quand c'est pas noté, alors, monsieur le pasteur, est-ce que tu peux lire ça, s'il te plaît, au lieu de me regarder? Bien sûr, monsieur l'ancien. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît.